Artlist.io. Music licensing reimagined. Instagram, le YouTube. OK, salut tout le monde, c'est Alan pour The Workshop. Bienvenue dans votre break 845. C'est un hockey pour finir la soirée. On a du Clear Cut SPX x2 et une SP authentique. Caisse neuve, ça, caisse neuve. J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir de là. Je vous présente les médias sociaux juste avant qu'on débute. Facebook, Instagram, YouTube. On est un petit peu partout, donc venez nous suivre où vous le voulez. Soyez les bienvenus où vous le voulez. Hein? Non, c'est pas pire. OK, sur YouTube, je suis encore en forme, oui, désolé. Voici comment faire, on s'abonne, on subscribe à la chaîne Break the Workshop. Tous les lives qu'on fait, dans le fond, s'y retrouvent. Fait que si des fois vous cherchez un live, un break qu'on a déjà fait ou quoi que ce soit par le passé, ben vous pouvez aller voir sur YouTube, tout est plus facile à trouver un petit peu. Alors allons-y en live, les voici nos box de ce soir. Salut tout le monde, comment ça va? C'est vendredi, on fait des breaks. Salut Daniel, salut Guy. OK, let's go. On commence ça tout de suite. Et on va y aller dans quel ordre? On va faire une SPX, on va faire Clear Cut, on va faire l'autre SPX et on va finir avec SP Authentique. Je le feel de cette façon. Alors, on procède. Let's go. Je pousse ma lock après la rétro Future Watch Auto de Macar sur 999. Ouh! Audacieux, audacieux. Voilà, box VD, on passe immédiatement. Bon, break 845, tout le monde, allons-y. Salut Guy, go Blackhawks. On passe ça avec un autographe tout de suite pour les Kings. Enzi, Kopitar, Phil McFly Wallet qui nous passe ça tout de suite. Ouais, monsieur, fireworks, it's time for LA. Voilà les Kings qui partent ça de belle façon. Monsieur Kopitar Otto. Salut Anthony, let's go les Flyers. Salut Rémi. Une belle façon de commencer un break ça. Tu vises un coupon. Salut Danny, ça fait longtemps qu'on t'a vu, content de te voir. Et on enchaîne ça avec sur 299. Gage Quinney Otto! Pour qui? Vegas, c'est Danny Clavet! Oui, monsieur, il n'y aura pas de coupon à soir, Danny. There we go! Oh,
on commence ça de belle façon. Deux autographes back to back. Let's go. Monsieur Quenney pour Danny cette fois avec Vegas. Bonne fête, le frère, 35 ans. Let's go, Leafs. Jérémy Pichick, c'est ta fête. Envoie donc. Toronto, en plus, ce soir, on te souhaite des hits, Jérémy. Mais bien sûr, c'est important. Ça arrive une fois dans l'année. On prend deux secondes. Bonne fête, Jérémy. Bonne fête, Jérémy. Puis là, vous finissez toute la toune à maison. C'est ça. Je vous faire des pépés pourra, pas de problème. Si vous voulez mettre une tarte à la crème d'en face, à fouetter, là, n'importe quoi, il n'y a pas de trouble. Mais moi, je m'en mêle pas. Je veux pas de retour, c'est pour ça. Déçu, mais que je vais accepter de ne pas avoir de coupon. Good, Danny, good. On a une Shadow Box ensuite. Rookie, Martin Kaut, l'Avalanche. Qui enchaîne ça tout de suite avec une belle Shadow Box. Ils sont belles cette année, les Moses de Shadow Box. Ah, y'a pas de trouble, Jérémy, ça fait plaisir. Si tu reçois une tarte à la crème fouettée, j'ai rien à voir là-dedans, ok? Dernière box, dernier pack, c'est-à-dire de cette première box. On termine ça avec une SPX Rookie Jersey. Pour les Nox, c'est Nils Höglander. Donc, Blue Jersey pour Vancouver. Les Canucks qui close ça. Frank, belle avance. Antoine va s'occuper de ça, j'ai l'impression. Clear cut 19-20 maintenant. On y va pour une box, un hit, et on le souhaite un gros bang. Ça serait un bon timing pour sortir Matthews de cette box-là pour la fête à Jérémy. On sait jamais. Allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Et on y va avec une rookie auto, je pense, pour LA. Blake Lizotte, une deuxième auto déjà pour les Kings. Phil McFly Wallet est en feu. Watch out, he's coming. Ooh, he's coming. Ah, Denis, wow, là, tu m'as fait rire en tabarouette. Je me suis mis à chanter bonne fête dans mon salon. Ah non, ma blonde m'a dit de la fermer. Ah, ça, c'est drôle, hein, s'il vous plaît. Ah, wow. On y va avec la SPX, la deuxième box cette fois. On a quand même eu une belle première box. On en avait une deuxième assez plaisante. Allons-y. Premier pack. On passe ça avec Monsieur Stammer. Steven Stamkos, Lightning. Donc, white jersey pour Tampa Bay. Next one, une superscript. Ouh, nous avons une autographe. Hey, c'est une superscript auto. Oui, oui, c'est pour qui vous pensez? Ben oui, Félix Potvin, les Leafs, Jérémy Piché, bonne fête. Wouhou! Hey, parce que c'est ta fête, on te met des pétards, on te met toute la gang de pétards. Des ballons, let's go! Let's go, Leafs! Monsieur Félix, pas de vin, Otto! Ouais, monsieur! Ça, c'est une belle fête. Oh, yes! Jérémy, congrats, bonne fête. There we go! Non, mais il est plaisant, ce break-là, jusqu'à là. Troisième pack de cette deuxième box d'SPX. On y va maintenant avec une base sur 299 de Picarine. Prédateur, la 242 de 299. Donc, Nashville. Nashville, c'est Antoine Piché, cette fois. Et dernier pack, est-ce qu'on a une deuxième auto des fois? On a une Shadow Box. Shadow Box pour les Islanders. Ilya Sorokin. Normand Michon avec les Isles. Et quand même des belles box d'SPX ce soir. C'est pas méchant pantoute. Islanders cette fois. Nice one, Normand. Monsieur Sorokin Shadow Box. Voilà, et on y va avec notre dernière. Vous savez ce que ça veut dire. It is now.
the time for the last box of the break, the last box of the evening. 2019 and 20 SP Authentic. Oh, it's time for big hits in this one. Come on! Oui, monsieur, madame, c'est notre dernière ce soir. C'est du SP Authentic 19 et 20. Voilà, on va descendre ça un peu. On va se faire de la place. Voilà. Et on y va pour 18 packs de SP Authentic 19 et 20. Allons-y, on se souhaite bien sûr une grosse patch. Oui, Norman nous dit une future watch auto patch de Dobson. Oh yes, Dak pour Guy. Les paris sont ouverts, let's go, mais on veut quelque chose de solide. Premier pack, bonne dernière box tout le monde. Base update, Tristan Jarry, les pingouins. Prochain break de hockey, je vous l'annonce tout de suite, c'est demain samedi. Ouais, ouais, ça va être assez plaisant, soyez prêts. On va avoir une belle fin de semaine de break. Next one, SP Essentials, les huileux, Connor McDavid. On a la Spectrum FX Future Watch ici, Level 2, Rangers, Adam Fox. Je vous rappelle que 95% des boîtes que vous avez dans les mixeurs proviennent de caisses scellées. Ouais, ouais. Et 100% des boîtes, des caisses qu'on ouvre, sont dans les mixeurs. Il n'y en a pas qui sont vendues à part ou qu'on ouvre nous autres même, quoi que ce soit. Non, 100% des boîtes sont dans les mixeurs que vous avez. Et on a un autographe ici. Ce que ça veut dire, c'est que le K7, c'est vous autres qui l'avez, c'est pas nous autres. Qui on a comme autographe? On y va avec les Sharks, Kevin LeBanc. Monsieur LeBanc pour San Jose. C'est Normand Michon avec les Sharks. Et oh, que Normand, il est en forme ce soir, je crois. Let's go, Sharks! Voilà, on va se faire une petite rotation ici. Voilà. Party! J'aime ça, ça. Oh, wow. Ça, c'est des beaux moments. On a ensuite une autre autographe tout de suite. Future Watch Auto. Hey, cette fois, on y va avec Cole Sherwood. Les Jackets, Marco Guilmette, on se paye un cannonball. Monsieur Sherwood, donc, pour les Blue Jackets. Et c'est la 706 de 999. Voilà pour les Blue Jackets. Base and base. Des coups qu'on aurait une hot box avec plein d'autographes comme la dernière fois. On a une Authentic Moments Carey Price ici pour le Canadien. Montréal. Base update. Sénateur Connor Brown. Normand, vraiment sur le party. Let's go! Aïe, hop, petit bonhomme là. On a une red de Bo Horvat pour les Canucks ici. Et une future watch pas auto pour les Leafs. Another one pour le fêté Dimitro Timoshov. Sur 999 ici, Toronto. Hey, qu'est-ce qu'on met comme boîte avec la SP Authentic 13-14 demain? Est-ce qu'on se met du Black Diamond? Est-ce qu'on met du SPX? Qu'est-ce qu'on met avec ça? Spectrum FX, ici les sabres Rasmus Dahlin. Donc, Monsieur Dahlin pour Buffalo.
Next one, Authentic Moments du Carrasque, les Baroons. Du score 91-92, non, j'en ai pas sous la main. Ensuite, oh, let's go! Les Hurricanes, David Irons. Les messieurs de la Zamonie. Here we go, les Canes, Kevin Fowle. There we go. Oh, Louis-Philippe nous dit Hobby 1 et 2, 20, 21. Plus 19, 20. Et un autre respect authentique, 19, 20. Ça serait des beaux setups. Puis on finit ça avec une Black Diamond. Ça va coûter cher, par exemple. Ça va faire un beau break, mais ça va coûter cher. Thomas Chabot, SP Essentials, ici, les sénateurs. Allez, on s'en fait un gros. On s'en fait un gros demain. On a le droit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un gros break. Il nous reste 6 packs. On est dans le dernier stretch. C'est ce qu'on appelle le last call. Sidney Crosby Base Update Pingouin. D'un coup qu'on aurait une autre surprise. Ah oui, c'est sûr, ça va être Team Random à 30 spots, Louis-Philippe. Étant donné qu'on a une box 13-14, ça va être du 30 spots. Puis c'est sûr, sûr que avec cette boîte-là, c'est du Team Random. Mitch Marner, les Leafs, Authentic Winners. Toronto, le fêté. On a une base update à nouveau. Justin Falk, les Blues. Donc Saint-Louis. Stature pour Denis, ça j'en ai pas sous la main présentement par contre. Oui, j'avoue que le produit, en tout cas moi je l'aime quand même pas mal ce produit-là. On a une Red Ducky, ben oui, Mitch Marner, les Leafs again. Pour notre fêté ce soir, une après l'autre, deux packs. On va avoir une petite surprise pour finir. Let's go, come on. On a ici une Red pour les Flyers, Carter Hart. National Treasure. C'est pas cher, c'est d'habitude ce nom-là quand j'entends ça. Et je vous présente la dernière hit de la soirée, mais avant, les nouveaux, les nouvelles qui sont avec nous, n'oubliez pas de nous laisser votre adresse en privé, s'il vous plaît, question qu'on puisse shipper vos cartes, bien sûr. Allons voir, on finit avec quoi ce soir? C'est une Authentic Moments Rangers, Henrik Lundqvist. C'est New York qui close ce break. Ben quand même très plaisant, court, touchant et plaisant. Voici nos hits, on se fait un petit wrap-up. On a eu Mr. Zamboni, David Iris Young Guns pour la Caroline. Dans Clear Cut, on a eu une Blake Lizotte. Hey, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais depuis le début de la caisse de Clear Cut qu'on a, on n'a pas eu de gros hit ben à date. Ça a été tranquille. Il y a de quoi qui s'en vient dans le Clear Cut prochainement. On a eu des Shadow Box ensuite, pas une, mais deux. Martin Cow pour l'Avalanche ainsi que Sorokin pour les Islanders. Ça fait plaisir, Normand, ça fait plaisir. On a eu ensuite Kevin LeBanc pour les Sharks, Sign of the Times. On a eu des autographes juste ici, Future Watch Auto de Sherwood pour les Jackets. Et Kopitar pour les Kings ici dans SPX. Gage Quinney pour Vegas. Black Lustrous Rookies, Silver Signature sur 299 pour les Golden Knights de Danny. Et bien sûr, on se doit de terminer par celui-ci. Ouais. Super Script Sato. Pour les Leafs, c'est Monsieur Félix Potvin Otto. Et c'est pour notre fête ce soir, Jérémy Piché. Wow, que oui. Présentement, 23:59. Ça s'appelle finir pile poil à l'heure. Ouais. On se nomme Alan Buffer. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce dernier hockey ce soir. Très plaisant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, ben je suis content. Tabarouette. Ouais, j'ai bien fait ma job, ça veut dire. C'est ça. C'est drôle ça. Alors là-dessus, je vous souhaite une mauseuse de belle fin de soirée. Une belle nuit pour ceux qui vont se coucher. Et on se revoit demain. As-tu vu Carl Gaudreau, il fait dire bonne fête. Hey, merci Stéphane. Bonne soirée, vous autres aussi. Merci Jérémy, fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. On se revoit demain. Salut!